Le nouveau gouvernement a ouvert de nombreux chantiers, tels que le plan de recherche développement industriel et économique, puis le plan 5 plus 2, ce qui a placé Taïwan au 18e rang du commerce international. Une performance. Gloire. Je suis persuadé que les rapports entre notre pays vont se multiplier et s'améliorer. Que Taïwan se positionnerait en garant de la paix et s'efforcerait de maintenir une stabilité pacifique dans les relations internes des droits. Nous espérons que tous les pays qui partagent les mêmes valeurs universelles que Taïwan, France comprise, prendront en compte la demande de Taïwan et la soutiendront. Nous souhaitons pouvoir continuer à participer à l'Organisation des Nations Unies et à ses agences spécialisées comme l'OMS. L'invite à l'amitié et à la coopération entre Taïwan et la France. Joyeux anniversaire à la République de Chine. Merci de votre attention. Parce que nos deux pays se connaissent bien, qu'il y a maintenant des liens profonds entre nos deux sociétés, en particulier du fait des relations académiques et universitaires, des relations de beaucoup d'entrepreneurs qui apprécient les relations avec Taïwan, la fiabilité et le dynamisme de votre économie, de vos partenaires entrepreneurs. Donc je crois que c'est le vœu qu'on peut faire ce soir, le soir de cette fête particulière, que la chaleur de la relation franco-taïwanaise continue à rayonner. Merci.